pourquoi pas, vu la longue durée, le temps passé quoi que en Europe avec tous les secousses, nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver. Et craque l'avion, non? Égyptien qui est tombé. Très heureux de vous retrouver parmi vous. Vraiment, nous disons encore une fois de plus à quoi pas. Et il faut dire que Dieu te dit, vous ne faites que prier pour vous, pour les centres, pour que Dieu vous soutienne dans tout ce que vous avez entrepris là-bas. Dieu merci, vous êtes venus avec la victoire. Nous sommes vraiment très contents. Très contents. Et je crois que dimanche, on vous donne rendez-vous pour vous donner aussi nos nouvelles ici. Vraiment, une fois de plus encore, bonne arrivée. Ok, moi ça me va juste droit au cœur parce que je suis parti pour organiser des tournées, ça n'a pas été facile. Mais j'ai rencontré aussi des merveilleuses personnes pendant ma tournée. Aussi beaucoup de méchanceté par la grâce de Dieu. Tout ça, ça fait partie du ministère. Il fallait quand même finir à beauté, même s'il y a eu des choses, l'attaque du diable. Ça m'a permis de comprendre que la plupart de ceux qui viennent ici sont pas vraiment, d'autres sont des agents de Satan et d'autres sont des véritables enfants de Dieu. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Surtout dit, quand les gens viennent ici, faites très attention. Ça, parce que ne vous familiarisez pas facilement eux. Et il faut faire très attention parce que tous ceux qui viennent ici ne sont pas forcément des gens qui nous poussent dans leur cœur. Ça, il faudrait comprendre ça. Ils viennent ici, vous les laissez dans leur coin. Ils viennent pour être délivrés. Ils viennent pour être délivrés. C'est pas la peine, bon, on aura l'occasion, par la grâce de Dieu, d'en parler, ça c'est les secrets professionnels. Mais en même temps, j'ai rencontré des merveilleuses personnes qui m'ont beaucoup aidé. Nous sommes en train de préparer le mariage du pasteur. Je pense que moi, très bientôt, je vais annoncer aussi pour moi. Amen. D'ici quelques jours, je vais annoncer mon mariage, quoi. Ça c'est important. Il faut que je me marie. Bon, je vais finir d'abord le petit là, le vagin là. Et on va finir de se marier. Et puis, d'ici quelques jours, j'annoncerai mon mariage. Ce qui est sûr, c'est que le prophète Krasso n'est pas marié. Il se marie bientôt. Et voilà, très bientôt. Très bientôt. J'évite les attaques. Mais très bientôt, il se marie. Je finis d'abord le mariage de fils spirituel. J'ai dit merci à Boga Alain et toutes ces personnes qui m'ont porté dans le cœur jusqu'à aujourd'hui. Dosso, Tibi Fernand, comme je disais, était très bon. Voilà, nous sommes en train de préparer à Boga Alain qui m'a donné ton costume. Je l'ai oublié à Dijon, mais je vais pour le costume du mariage. Le mariage et tout ça. Mais très bientôt, voilà, je vais finir avec cette histoire de célibat. Je serai délivré. Délivré du célibat. Armel est déjà. Après ça, Armel l'ont fait pour lui en décembre. Et puis. Zadig Bapé. Zadig Bapé, c'est quoi? Oh, oh. Ouais, Inch'Allah, mon retour à Dijon. Inch'Allah, que Dieu bénisse. Amen.